après un moment d'absence. Je me suis déjà exprimée sur les réseaux sociaux, je ne le referai pas sur YouTube parce que j'ai encore plein d'examens qui sont en cours. C'est concernant ma santé, j'ai découvert que j'étais atteinte d'une maladie, donc je ne détaillerai pas plus. Là pour la bonne humeur et surtout pour faire un retour sur YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ma routine pour les cheveux spécial blonde ou en tout cas spécial masque maison afin d'accentuer la pousse du cheveu, enfin de l'activer en tout cas, et d'avoir des cheveux propres, sains, brillants. Même s'ils sont un peu abîmés et fragilisés par les décolos, je dois l'avouer. En tout cas, si la vidéo t'intéresse, je te laisse lâcher un pouce bleu, t'abonner, activer la cloche. Je te laisse venir me rejoindre sur mon Instagram que tu verras affiché quelque part sur l'écran. Et mon TikTok, petit truc que tu as sûrement dû remarquer, on est dans ma salle de bain. Et c'est pour ça, je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc là, on est dans ma salle de bain. Mes cheveux sont totalement naturels. Et vous voyez, j'ai là, celle-là. Non, plus concrètement, du coup, on va passer au soin bien mes cheveux. C'est l'huile de ricin que j'ai eu chez la boutique du coiffeur, totalement vegan et 100% naturel. Pour faire l'application, je vais juste prendre un petit pinceau pour appliquer mon huile de ricin. Donc là, j'ai fait presque toute la partie droite. Comme vous voyez, je fais séparation par séparation avec un peigne queue en métal et je viens bien appliquer de l'huile de ricin sur mes racines. Donc bien sûr on n'en met pas non plus beaucoup, et donc ce soin là, on va dire une pause d'huile de ricin, moi honnêtement là sur le premier mois je l'ai déjà fait une fois, je le fais au moins une fois par semaine. Après bien sûr ça dépend de votre temps, votre envie, et surtout on le laisse poser le plus de temps possible, donc c'est à dire que moi ça varie entre 4 et 5 heures. Au niveau des racines, j'en ai appliqué partout. Je viens en prendre un petit peu dans mes mains, donc j'en prends pas non plus des masses. Je fais ça. Et là, je passe au massage avec les mains. Donc c'est pas très agréable. Faut se le dire, l'huile de ricin, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et on masse bien pour activer la circulation sanguine pendant, je dirais, 3 bonnes minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire? On divise nos cheveux en deux. Et là, on va venir en appliquer sur les longueurs. Bien sur les pointes. De l'autre côté. D'habitude, je prends mon huile de ricin et un masque pour les cheveux. J'y mélange dans un récipient et je m'applique le tout sur les cheveux. Là, j'applique l'huile de ricin. Et par la suite, je viens prendre ce masque. Donc, c'est le Ultra Doux Masque Baume Hydratant. Et je viens en prendre dans mes mains, tout simplement. Et je viens le poser sur mes longueurs. Donc, il va se mélanger à l'huile de ricin pour apporter deux fois plus d'hydratation. C'est mieux quand on le fait dans un récipient et qu'on mélange directement les deux pour l'application. Voilà, ben ouais, que je n'y ai pas pensé. Donc l'huile de ricin et le masque sont bien mélangés. Donc là, je viens prendre un petit bout de cellophane, enfin un gros bout plutôt, et en fait on va venir mettre, englober notre tête à l'intérieur. Parce que le cellophane permet de réchauffer la matière et du coup pour une meilleure pénétration du produit tout simplement. Bon, moi et ma capote allons se rincer. Là j'ai pas attendu autant que la dernière fois. Bon ça varie vraiment, mais au minimum, tout comme je vous dis, je laisse 2 heures. Le shampoing, donc j'utilise le shampoing à l'huile de ricin. Donc c'est un 100% naturel, 100% vegan. Je l'ai aussi eu à la boutique du coiffeur. Et on a le petit masque. Et les composants sont aussi naturels. Donc là je vous reprends en voix off. Donc je suis désolée pour le cadrage. J'ai fait comme j'ai pu. Du coup j'utilise un jet d'eau froide, la tête en bas, pour activer la circulation sanguine. Je fais un premier shampoing, je rince et j'en fais un deuxième.
Donc dans la vidéo, on peut voir que je parle, mais j'ai dû couper le micro en fait parce qu'on entend ma mère qui crie derrière, qui engueule ma petite sœur. Du coup là, je suis tout simplement en train d'appliquer un shampoing bleu. Donc il y en a des bleus et des violets, c'est pour neutraliser les reflets orangés qu'on peut avoir nous les blondes lorsqu'on a été décolorer nos cheveux. Bien sûr, cette étape-là est aléatoire, on ne fait pas un shampoing bleu tous les jours, enfin tout le temps lorsqu'on se lave les cheveux, on le fait une à deux fois par semaine, ça dépend vraiment de comment est le blond. Après ça, bien sûr, je viens tout simplement rincer mes cheveux. Je les essors avec une serviette afin qu'ils soient humides. J'ai rincé tout ça, ça m'a bien éclairci, ça tire bien, je vais appliquer mon masque. Donc je vous ai pas filmé, mais je viens de rincer mon masque. J'ai bien essoré mes cheveux. Donc là, je vais un peu plus les sécher encore. Et je vais venir peigner mes cheveux. Donc là, j'ai tout séché. Ils sont seulement humides. Donc je vais venir prendre mon sèche-cheveux et je vais venir me les sécher. Ça va bien mieux. Donc là, j'ai terminé mon brushing. Donc on voit qu'ils sont quand même abîmés. Donc je vais venir appliquer ma petite huile qui est la Oréothérapie de chez Zafiro Puro. Donc voilà, c'est exprès pour les blancs. Cette huile, c'est une tuerie. D'ailleurs, il faut que j'aille la racheter parce que je n'en ai presque plus. Mais elle sent bon, affreux. Waouh, j'en ai trop mis. Donc ça, ça suffit pour les deux côtés. Hein. Je tiens à préciser, hop. Là, j'en ai mis. Je vais repasser un coup de sèche-cheveux avec ma brosse pour le brushing. En tout cas, ils sentent très bon. Ils sont souples et disciplinés, comme on dirait dans les cuisines. L'Oréal. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions dans les commentaires, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai d'y répondre au maximum. Si vous avez également des astuces à partager à tout le monde ou même à moi, n'hésitez pas à m'écrire tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu pour me faire comprendre que tu as aimé cette vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.